Je m'appelle Marinette, une fille comme les autres. Mais quand le destin me choisit pour lutter contre les forces du mal, je deviens Miraculous Ladybug. Miraculous, porte bonheur, Lady magique et Lady chance. Miraculous, Lady du cœur, être héroïque en cas d'urgence. Miraculous, Miraculous. Waouh, t'es en forme, Buginette. On n'avait jamais battu un vilain si vite. Bien joué. Buginette, il y a un problème? Bien joué, oui, oui. Et on devrait revérifier que tout va bien à Paris. On refait une patrouille? Tu veux pas me dire ce qui cloche plutôt? Tu n'as même pas réagi quand je t'ai appelé Buginette. Mais que veux-tu que je te dise? Ça va super bien. J'ai juste un peu de temps devant moi et pas forcément envie de parler. Je connais l'endroit idéal pour ne pas se parler. Parfait, je te suis. Oh, ma bien-aimée. Pourquoi ne peux-tu pas m'aimer? Tu m'as tendu un piège. Réponds-moi. Je croyais que tu ne voulais pas parler. Continuez comme ça. Je te cache trop de secrets, Ronaldo. Ne fais pas ces yeux de chien battu, je t'en prie. Mais... je vais tout te dire. Je vis une double vie, Ronaldo. Tu croques de moi? Surtout, ne lui en dis pas plus. Mais parle moins fort. Mais les comédies romantiques, c'est nul. Tu veux que je te dise pourquoi? C'est pas réaliste une seconde. Dans la vraie vie, la fille mettrait un temps fou à lui dire qu'elle l'aime sans bafouiller, blablabla. Et comment savoir s'il l'aime aussi? Impossible. Alors, elle décide qu'elle ne pourra jamais être avec lui. Et bam, elle tombe amoureuse d'un autre. Et tout est très simple. Presque trop facile, pas de bafouillage. Ils se tiennent la main, bisous, bisous, et la surprise! Elle a des secrets. Le garçon, il déteste les secrets. Normal. Alors, ils doivent rompre. Et tout le monde est malheureux à jamais. Fin. C'est vraiment n'importe quoi, les comédies romantiques. Désolée. Allez, on y va. Un conseil, évitez les comédies romantiques. Allez plutôt voir les héroïques super-héroïques. Des effets spéciaux, des super-pouvoirs, pas de sentiments, pas de questions. Personne ne se parle parce qu'ils n'ont rien à se dire. Là, au moins, vous passerez un bon moment. Désolée. Écoute, Malady, je n'ai pas compris tout ce que tu disais et je ne connais rien de ta vie privée, évidemment. Mais je sais ce qu'est une peine de cœur et ça m'en a une tout l'air. Une peine de cœur, moi? Je vois pas de quoi tu parles. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. J'ai envie de nager, pas toi? Allons à la piscine. Tu sais que si tu as besoin de parler, je suis là à pour toi. À la piscine. Wouhou. C'est trop triste. Je t'avais dit qu'on aurait dû décrocher ces photos. Stop. Je suis pas triste. Et ces photos me dérangent pas. Pas du tout. Ce sont juste des clichés de mode et de mes amis. Et j'aime la mode et mes amis, bien sûr. Alors, laissez-les à leur place. Y a pas de problème. Donc, Marinette a un problème. Elle a un chagrin d'amour. Au départ, elle est amoureuse d'Adrien. Mais elle arrive jamais à lui dire qu'elle l'aime. Parce que, bah, c'est Marinette. Et que lui, bah, c'est Adrien. Puis, Lucas entre en scène. Marinette arrive à lui parler parce que c'est Lucas. Ils sortent ensemble. Ce qu'ils étaient mignons, tous les deux. On est d'accord, sauf qu'ils ont rompu. Mais le fond du problème, c'est que Marinette ne nous a jamais rien raconté de tout ça. Si Lucas l'avait pas dit à sa sœur Juleka, qu'il l'a dit à Rose, qu'il l'a dit à Mylène, qu'il l'a dit à Alix, qui a fini par me le dire, alors que moi, je suis quand même sa meilleure amie, je le saurais toujours pas. Hier au collège, j'étais aux toilettes et je l'ai entendu pleurer. Marinette, tu pleures? Moi, pleurer? Pas du tout, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. On devrait organiser une super fête. Je suis trop contente. Mais pourquoi elle nous cache ses secrets comme ça? Si elle dit rien même à Alia, c'est qu'il y a un vrai problème. Qu'est-ce qu'on fait? Ce dont Marinette a besoin, c'est d'une discussion entre amis. Je propose de l'appeler tout ensemble pour en parler. Check lapin. Je crois que je vais tomber sur son répondeur. Oui, Marinette, laissez un message, bip. Salut Marinette, c'est nous. Coucou. Juste pour te dire qu'on est là si t'as besoin de parler. Quand tu veux, où tu veux. Rappelle-nous, on t'aime, gros bisous. Il faut intervenir. On a besoin de Tiki. Je m'en occupe. Mais pourquoi tu communiques pas avec tes amis dans l'appareil qui parle? Pour leur dire quoi? Tout va bien. Tu devrais peut-être te détransformer alors. Non, je suis mieux comme ça si Papillon rattaque Paris et je serai tout de suite prête à passer à l'action. D'accord, mais t'as pensé à Tiki? Elle aimerait peut-être se reposer un peu ou manger un morceau. Oh non, Tiki! Tes transformations! Est-ce que tu vas bien, Tiki? Sûrement mieux que toi, Marinette. On devrait discuter, tu ne crois pas?
Les filles, vous croyez pas qu'on devrait aller chez elle? On pourrait lui offrir un bracelet d'amitié éternelle pour qu'elle n'oublie jamais que les amis peuvent tous dire et qu'on sera toujours là pour elle. J'ai lu dans un magazine qu'une ancienne tribu d'Amérique du Sud faisait ça. On confie un secret à la perle mentalement. Une fois que Marinette aura confié son secret à la perle, ce bracelet nous unira toutes les six. Waouh! Vous êtes prêtes? Ce serait pas plus simple de juste l'emmener boire un jus d'orange pour discuter de ses histoires d'amour? Ok. Tant que je serai Ladybug, je ne pourrai pas vivre d'histoire d'amour. Qu'est-ce qui te fait dire ça, Marinette? Tu le sais très bien, j'ai dû quitter Lucas parce que je ne pouvais pas lui dire la vérité. Et ce serait la même chose avec Adrien. Je ne peux partager mon secret avec personne. Je ne peux pas être honnête avec mes meilleurs amis, ni avec mes parents, ni avec qui que ce soit. Je suis condamnée à mentir, tout le temps, à tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire, Tiki? J'aimerais pouvoir t'aider, mais les Kwami ne tombent pas amoureux. Tu vois, il n'y a personne qui puisse m'aider. La vie de Marinette est trop compliquée. Je ferais mieux d'être Ladybug tout le temps. Tiki, transforme-moi! Marinette! Marinette! Waouh! Venez voir ça, les filles, c'est nouveau, c'est trop mignon. Encore une super création de Marinette. Elle doit être sur la terrasse, je vais la chercher. Qu'est-ce que tu attends, papillon ombre? Je suis prête! Marinette? Quelle transformation! Marinette? Qu'est-ce que vous faites là? On vient prendre de tes nouvelles. Oh, regardez, on dirait une vraie maison. On peut enlever le toit pour voir l'intérieur. Ah, arrête, je pars. Recule. Oh, je suis désolée, Marinette. S'il vous plaît, sortez de ma chambre. C'est rien, Marinette. On va t'aider à la réparer, t'en fais pas. Sûrement pas. Allez-vous-en. Il y a clairement quelque chose qui va pas en ce moment et on partira pas tant que tu nous auras pas dit quoi. Chacune de nous a confié ses secrets à ce bracelet et maintenant c'est ton tour. Je vais vous dire ce qui ne va pas. C'est vous toutes, dans ma chambre, sans mon autorisation. Si on est vraiment tes amis, tu peux tout nous dire. Les vrais amis ne se laissent jamais tomber. Peut-être que je ne veux pas de vous comme amis. Sortez! Dehors! J'avais pas d'autre choix, Tiki. J'étais obligée de le faire. Je sais bien, Marinette. Maintenant, je n'aurai plus besoin de mentir puisque je n'aurai plus d'amis à qui mentir. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Les filles? Plusieurs petits cœurs fragiles qui se brisent en même temps. Quelle belle symphonie pour mes akumas! Envole-toi, maléfique Akuma, et noircis leur cœur! Je viens de perdre ma meilleure amie. J'espérais que ça marcherait. C'est trop triste! Ça me l'aide. Non, ça peut pas se finir comme ça, impossible! Gang des secrets, je suis le papillon ombre. Votre ami n'a pas voulu vous confier ses petits secrets. Je vous donne tous les pouvoirs qui vous sont nécessaires pour les lui arracher de force. Tout ce que je veux en échange, ce sont les Miraculous de Ladybug et Chat Noir. Marinette doit rester notre amie. Peu importe qu'elle le veuille ou non. Et elle n'aura plus aucun secret pour ses amis. Je me charge de la capturer. Fini les secrets, elle devra nous mettre au parfum. Et je remonterai le temps pour que tout redevienne comme avant. On la réconfortera et elle redeviendra notre amie. Et si Ladybug et Chat Noir tentent de nous barrer le chemin, Horrificator les tiendra éloignés. Je suis là pour toi, Marinette, je suis ta meilleure amie. T'as intérêt à nous dire tous tes secrets. Tu te sentiras beaucoup mieux après. Attention, tu ne devrais pas faire ça, Audrey. Tu te souviens la dernière fois que t'as utilisé ton pouvoir sans porteur? Marinette ne doit pas révéler son secret. Mirage! Ah!
Comment a-t-elle... Ne t'enfuis pas comme ça, Marinette. On est amis, non? Suivez-moi. Merci beaucoup, Trix. Kiki, transforme-moi. Kwame utilise son pouvoir sans porteur pour canaliser sa puissance. C'est pas censé provoquer une catastrophe? Mon pouvoir ne générant que des illusions, les dégâts éventuels seront sûrement illusoires. Ne faites pas cette tête, son Miraculous Ladybug finira par tout réparer. Enfin, j'espère. Trix! La tour Eiffel est frappée par un étrange phénomène. Les autorités recommandent... Je te parie un camembert tout entier que c'est un coup de Trix. Trix? Le Kwame de l'illusion. Ce qui n'est pas une illusion, c'est que Ladybug a besoin d'aide. Super! Même quand ce n'est pas moi qui ai fait une bêtise, il faut que je donne un coup de main. Plague, transforme-moi! Marinette! Marinette du Pancheng. Dans ce cas, vous allez nous aider à la retrouver. À votre service, princesse Farance. Elle est forcément cachée quelque part. Séparons-nous. On dirait que les super-vilaines font une fête et qu'on n'a pas été invité. Elles cherchent toutes Marinette du Pancheng, leur camarade de classe. On l'a déjà sauvée plusieurs fois, non? Pourtant, tout le monde a l'air de bien l'aimer. Eh bien, elle a réussi à se fâcher avec toutes ses amies en même temps. Allô, t'es toujours là? Je réfléchis. Avec 5 vilaines, on va avoir du mal à trouver l'objet dans lequel est logé l'Akuma. Quoi? Tu as déjà une idée, n'est-ce pas? J'aimerais isoler une des vilaines pour qu'elle nous dise où se trouve l'Akuma. En parallèle, il faudrait que tu empêches Chrono Girl de remonter le temps. Sinon, à cause d'elle, mon plan risque d'échouer. D'accord, bonne chance, Malédie. Merci, à toi aussi. Hey, ça fait longtemps. Comment va Mademoiselle Chronomètre? Je suis Chrono Girl et j'ai pas de temps à perdre à discuter avec toi. Dommage pour toi, Ladybug, ce n'est pas moi qui ai l'Akuma. C'est pas grave, ce que je voulais, c'était surtout de parler. Je te préviens tout de suite, je ne te dirai rien. Votre ami Lady Wifi est en difficulté avec Ladybug. On s'en occupe. Alors, tu veux plus jouer à ça? Alia, si j'ai bien compris, tu as des problèmes avec ta meilleure amie. Elle s'appelle Marinette, c'est ça? J'ignore ce qui s'est passé entre vous, mais j'aimerais te parler d'une amie à moi. C'est une super héroïne. Tu connais Reina Rouge, n'est-ce pas? Bien sûr, on a des secrets l'une pour l'autre, ne serait-ce qu'à cause de mon identité secrète. Mais même si on ne peut pas tout se dire, on se fait confiance. C'est ce qui nous permet de combattre côte à côte. Tu peux rejeter le pouvoir que Papy Ombre t'a donné. Ne l'écoute pas, Lady Wifi. Si tu fais ça, tu ne connaîtras jamais les secrets de ton ami, ni ceux de Ladybug. J'ai une confiance absolue en toi, Alia. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de Reina Rouge. C'est impossible. Waouh. Personne n'avait réussi avant toi. Tu es incroyable. Parce que t'es une amie incroyable, Ladybug. Bien joué. Ladybug, le gang des secrets te cherche. Je suis sur le coup, mais je ne sais pas si je pourrais les retenir longtemps tout seul. Votre amie Lady Wifi vous a trahi. Elle a préféré le camp de Ladybug. Dépêchez-vous d'en finir avec lui pour vous occuper de la coccinelle. Dans quel objet se trouve l'Akuma? Dans un bracelet que Chrono Girl doit avoir. Mais Chat Noir et toi n'arriverez jamais à battre 4 vilaines en même temps. Je crois qu'il est temps de faire appel à la maîtresse de l'illusion.
a du nouveau depuis que je suis devenue gardienne des Miraculous? T'es la gardienne des... Mais garde le scoop pour toi, surtout pas un mot sur les Ladyblog. Promis, je sais garder un secret. Pour te sauver cette fois. Plus de temps à perdre. Naked Charge! Ok, j'ai un plan. Écoute. Si jamais tu oses y toucher, j'active mon pouvoir et qui sait ce qui t'arrivera. Pourquoi te le prendre de force quand je peux faire de toi mon esclave et t'obliger à me le donner? C'est le moment d'utiliser ton pouvoir. Prenez d'abord son Miraculous, revenez! Merci, Mélédise, j'étais un poil de moustache de la chatastrophe. Ça sert à ça, les amis, mon chaton. Bon, vous deux, foncez à la piscine en vitesse. Et toi, alors? Je me charge de distraire nos invités. Reina Rouge t'expliquera le plan. Appelez Ladybug, prenez son Miraculous! Occupez-vous d'elle, je me charge de Marinette! À toi de jouer, princesse! Il est temps de dévoiler tes secrets, Marinette. Ne résiste pas, tu vas bientôt faire tout ce qu'on me dira, Ladybug. Pour commencer, donne-nous ton Miraculous. Allez! C'est mon heure. Tu ne peux pas m'échapper! Retour à la réalité! Merci, Ladybug. Tu as assez fait de mal comme ça, petit Akuma. Je te libère du mal. Bye bye, petit papillon. Miraculous Ladybug! Bien joué! Bien joué! Tu as fait des erreurs par le passé, Ladybug, et tu en feras encore d'autres. Un jour, je finirai par découvrir ton secret. Transformation. Merci, Ladybug. Tu sais, sans votre aide à Chat Noir et toi, je n'y serais pas arrivée aujourd'hui. J'ai de la chance d'avoir des amis comme vous. Alors, merci à toi. C'est vrai, ma séparation avec Lucas m'a brisé le cœur. Et ne pas réussir à avouer mes sentiments à Adrien, ça m'a aussi fait mal. L'amour, c'est vraiment trop dur. Je crois... que je vais m'en tenir à l'amitié. C'est déjà assez compliqué de garder ses amis. Prends ton temps. Tout finira par s'arranger. Et surtout, quoi qu'il arrive, on sera toujours là pour toi, Marinette. Quand tu te sentiras prête, préviens-nous. Et on trouvera un nouveau plan génial pour t'aider à dire à Adrien, Lucas ou qui tu veux que tu l'aimes. Les filles, c'est vous que j'aime. Salut, bye. Marinette. À demain. Je vous rejoins plus tard. J'ai un dernier truc à dire à Marinette. En fait, tu nous as pas tout dit. Une journaliste et une meilleure amie sentent ce genre de choses. Je vais pas mener l'enquête ou te forcer à m'en parler, tu sais. Si tu veux pas me dire ce qu'il y a, c'est ton droit. On sera toujours amis. Marinette,
Je suis ta meilleure amie et je le serai pour toujours. C'est pour ça que ça me fait de la peine de ne pas pouvoir t'aider à te sentir moins seule. Alia, attends. Reste. T'as raison. Je suis très seule. De plus en plus seule et j'ai de plus en plus de mal à tenir. Tu sais pourquoi j'ai rompu avec Lucas? Pas parce que je l'aime pas, il est incroyable. C'est parce qu'il y a quelque chose que je peux pas lui dire. Tu sais pourquoi je tire un trait sur Adrien? Parce que ce sera la même chose avec lui. T'as raison, j'ai des secrets, je mens tout le temps. Je mens à mes amis, à mes parents, à tout le monde. Et le pire dans tout ça, c'est que je peux pas faire autrement. On a toujours le choix, Marinette. Non, pas pour moi. J'ai pas d'autre choix. Tout ça nous dépasse, Alia. C'est trop lourd à porter. Si c'est trop lourd, on sera pas trop deux pour le porter. Si je te le dis, les choses entre nous ne seront plus jamais comme avant. Ça va tout détruire, tout bouleverser. Marinette, quoi que tu me dises, je suis ton amie. Et moi, je suis Ladybug.